Alors, je me suis inscrite parce que ce projet est vraiment très intéressant, je trouve, que tu le mènes avec les élèves depuis un certain temps et puis on voit le bénéfice qu'en tire cette classe. Je n'ai pas encore eu de classe bien-être, mais j'aimerais bien en avoir. Alors, je trouve que la proposer aux professeurs, c'est vraiment une bonne idée parce que quelque part, c'est l'image aussi de l'adulte face aux élèves et je pense que c'est bien aussi de réfléchir à notre posture à nous. Après, par rapport aux collègues, je pense que ça crée cette formation, crée une complicité entre nous en quelque sorte. Et puis c'est bien de se voir sous un jour différent. C'est très agréable pendant les séances parce que tu nous apportes vraiment un questionnement qui change de tout ce qu'on a pu avoir comme type de formation auparavant. Et je trouve que dans le cadre professionnel, c'est vraiment... C'est une parenthèse enchantée, je trouve. Ça me fait beaucoup réfléchir. Je sors de là gonflée à bloc, prête à tout essayer, vraiment très motivée. Des fois, donc par exemple, quand j'attends le train qu'il est en retard, ça m'énerve. Je dis, tiens, si je faisais un stop. Donc, c'est quelque chose qui se met en place. Mais encore une fois, je pense que ça va être long. Il me faudra certainement plusieurs mois pour mettre ça en place. Mais voilà, je sais qu'il y a cette ressource-là et c'est très positif. Et je me dis que quelque part, ça nous aide à ne pas se sentir démunis face à des situations difficiles. Que j'ai tenté aussi, c'est par rapport aux émotions qu'on ressent. J'ai un fils qui est très colérique et du coup, ça m'a permis de prendre beaucoup plus de distance par rapport à lui, parce qu'avant, quand il se mettait en colère, ben moi aussi, je me mettais en colère, forcément. Et maintenant, je lui laisse davantage la possibilité d'exprimer sa colère et puis je trouve que du coup, on a une relation plus apaisée. Et donc, merci Karine, parce que quelque part, ça règle mes conflits familiaux et c'est vraiment quelque chose de positif. C'est des choses qui peuvent arriver en cours et donc c'est aussi une façon d'anticiper et de savoir gérer les émotions des élèves aussi. Parce que c'est vrai que des élèves qui se mettent en colère, il y en a plein. Et c'est une façon aussi de mieux les comprendre et de ne pas forcément les juger en fait. Parce qu'on a tendance à le faire.